Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir, comme il retrouve Azote, tous les matins, entre 6h, 6h25, pour se causer, la réunion, en direct depuis Saint-Pierre. C'est là remarqué, une semaine, que nous n'étions pas là, un petit peu de repos, quand même, et puis, on a mis remis aussi les personnes que la priorité de nouvelles, lance à nous, des petits, messages, là, on se met des messages au 006 157, voilà, donc, les repartis pour, une nouvelle période, là, pour, l'actualité, notre pays, ce qui se passe ici, la réunion, ici, dans le monde. Mispe va durer un peu. Bon, espérons. Mis salut aussi toutes les personnes là connectées comme d'habitude sur le réseau social Facebook qui suivent à nous tous les matins, sur la télévision aussi t'es là. Et puis pour les abonnés de YouTube, de droit de petits commentaires qui disaient il fait plus quoi. Bon, un petit peu de repos. C'est vrai que ces médias, ces GAFA là, la plupart du temps, ces gros médias, c'est vrai qu'il faut être présent tout le temps. Quand on rate un jour, c'est comme si c'est une éternité. Donc voilà, bon, des fois le corps a besoin de reposer un peu, et puis des fois on a besoin de bien réfléchir, faire autre chose pour revenir un peu plus en force, mi dirait. Ce qui change pas dans l'actualité dans notre pays, la Réunion, comme chaque lundi, c'est et comme chaque jour, c'est les infractions du code de la route, hein, du 30 septembre au 2 octobre. Ben là, il annonce à nous que 467 infractions qui a été constatées, 99 excès de vitesse. Écoutez, ben là, il est rapide, elle a fait où ça l'excès de vitesse là sur la nouvelle route du littoral là. Voilà, donc là aussi, et puis les effectifs de la gendarmerie, ben ils relèvent quand même. Il dit à nous que sur ces infractions-là, on a eu quand même 12 retraits de PMI. Donc là, c'est machin. Hein. Du côté de la police, c'est 300 que ça l'a relevé. Bah, cette fois-ci, les deux, enfin, un peu la gendarmerie est partie un petit peu plus vite. Hein. Et puis, les infractions que la police l'a relevé, c'est 167. Et puis, la police a relevé aussi des conduites sous l'emprise de l'alcool. L'effet particulier de ce soirée-là, dans la soirée du vendredi 30 septembre à Sainte-Suzanne, les réservistes de la BMO de Saint-Benoît qui contrôle un chauffeur de poids lourd qui fait une livraison, le conducteur qui conduit avec une annulation de permis de conduire et aussi une FCOS, donc formation continue obligatoire, que les périmés, la BMO de Saint-Benoît, il prend immédiatement en compte les procédures et première vérification que l'a été fait, ben il apparaît que le chauffeur, il trouve lui aussi en situation de travail au travail au noir. Bon, voilà l'enquête est en cours. Alors dis-moi, le patron n'est pas au courant que le bouc travaille au noir, parce que là c'est un peu compliqué, et puis quand ça conduit un camion comme ça, ben l'entreprise en règle générale il demande à tous ces papiers là s'il n'est pas en règle, ben autant mieux pas utiliser le moon, parce que sinon il risque d'avoir des problèmes comme ça, tu vois, à TLA. Voilà pour la circulation routière. Donc on aura quand même bien sûr l'occasion de reparler de ça, puisque on a quand même pendant toute l'année là parlé. L'année pourquoi finir, reste 2 mois pour finir. Donc on a encore des affaires pour parler là-dessus, parce que les gens, on dirait la tête un peu dure des fois de temps en temps. Bah ils écoutent pas ce qu'il dit Azote. Bon après, qu'est-ce que veut dire Azote? Bon bah Azote, il aime pas Azote PMI, Azote me donne l'argent l'État. Bah donnez, hein. Donc c'est pas bon, si ça des riches. Voilà. Et puis, alors, une petite parenthèse sur les vélos. Vous allez d'accord avec moi? Bon, vous allez d'accord, because quand même. Bon, le vélo avec le tout vélo, et nous voit aussi beaucoup d'incidents que les nas avec le vélo, surtout sur la ville de Saint-Pierre, avec les bonnes conducteurs de vélo. Donc, peut-être faut reprendre Azote des cours, hein, parce que ils roulent pas sur le trottoir. Et puis, prend pas le trottoir sans inverse. Et puis, il y a des pistes pour te rouler dessus, bah utilise les pistes quand la pointe, mais quand pas, on retrouve une solution pour pas sur la route, et puis gêne pas les piétons, parce que la plupart du temps on peut arriver à gagner des accidents très facilement là-dessus. Les bien de dire que nous les tout vélo, nous avons besoin des rois et des reines de la pédale, donc alors dans ce cas-là respecte un peu le code de la route aussi, serait très intéressant là-dessus un peu. Mi parle les deux roues, hein, c'est aussi il concerne aussi les trottinettes aussi. Ça aussi, qu'on voit pas ou entend pas, il vient dessus, hein, les vélos sur les parcours de santé, tout ça, là aussi, il vient des Yahoo, tout d'un coup, il peut un accident mortel là-dessus, il est pire que sur une voiture. Donc là aussi, faut faire très attention là-dessus, et puis, il en passe pas un affaire aussi, mais c'est mi cause des deux, Roumachev cause aussi un peu, des motos, ben, des grosses motos. Ben les pistes cyclables, les faits pour les vélos et les piétons, ça n'est pas fait pour autres. Quand ça tu vois dans l'embouteillage, essaye pas prendre ça, parce que le problème c'est que
ça tu peux écraser un monde aussi, et donc si la loi est trapasse de remarques, les riches ont de l'argent quand ça tu roules là-dessus. Donc voilà en gros, le petit conseil là-dessus pour ce lundi matin. C'est vrai que ben, l'actualité commence et finit, on a toujours ces bonnes affaires-là, ben, que ça nous va gagner faire avec le monde, nous gagnera pas chance, le monde est comme ça. Allez, parti avec dimanche grand matin là, de feu la prend dans un case chemin Ténor, Georges Ténor, dans le quartier de Stella. C'est ce que la mairie de Saint-Leu dit, hein. Et il dit aussi heureusement qu'elle n'avait point de blessés à déplorer. Néanmoins, la famille a tout perdu. Ben, on dit tout à fait normal quand vous perdez tout en règle générale, hein, si la, de feu la bien prend. L'élu du secteur Amand Permal Naïk la rend à lui immédiatement sur place pour soutenir les gendarmes. Il fait rire, moi, c'est le truc qu'on a manié, il est rendu sur place, il arrive pour apporter une solution, mais il espère qu'il apporte une solution. La donne banane est écrase, il fait pas comme la fait ban de Mounaba du côté Montgaillard, là-bas, la diazote, oui, toute bande élue, l'arrivée, un des yalotes, à la queue le, la presse, toute la bande, t'es là. Ouais, ça fait, tous les bailleurs sociaux, t'es là. Arrivé à un certain moment, le peu de moune est encore normalisé, là, encore dans la misère de l'autre côté, là-bas. Là aussi, il faudrait faire attention. Aussi, il faut pas dire, bon oui, après, pas tout le monde, pas toutes les communes, les pareilles. Non, si tout est pareil, inquiète pas. Allez, donc voilà, comme à chaque fois, les services de la commune mobilisent Azot pour reloger la famille. Dis pas nous, ça a été relogé. Est-ce qu'elle a été relogée dans un bon cas, une affaire comme ça? Mais surtout dimanche matin, elle a été relogée dimanche matin dans un autre cas, le temps d'ouvrir, aller faire ouvrir les agences immobilières là. Les agences immobilières, oui, c'est une agence immobilière, même c'est la CHLMA, la CMAD, la CMAP, tout le bordel là. Vous faites Azot grand matin là. Dimanche, pour aller faire ça, c'est un peu compliqué. Plutôt de lundi où je vais du ben avoir occupé. Alors, la mobilisation pour loger la famille et apporter des aides d'urgence à la solidarité et organise pour accompagner au mieux cette famille. Bon, ben, nous va suivre un peu. S'ils ont des informations là-dessus, n'hésite pas de faire part à nous ça. Nous va faire le nécessaire. Bon, nous suivre ça et puis nous va dire plus tard si nous sommes encore là pour ça. Voilà. Depuis le 1er octobre, les bonnes automobilistes va payer un peu moins cher le litre de sans-plomb, et puis va coûter à peu près 1,53€, soit 2 centimes de moins qu'en septembre. 2 centimes, hein, donc c'est beaucoup, hein. Bon, en revanche, le gasoil, lui, a une hausse de 4 centimes, hein, donc va coûter 1,35€ le litre depuis samedi 1er octobre. Moi, j'ai pas été fait le plein. Bon, ben 2-3 centimes, il fait du bien au porte-monnaie. Bon, ben voilà, donc après, augmente. Quand il baisse à côté, il augmente de l'autre côté. Quand il augmente de l'autre côté, il baisse de l'autre côté. Les malheureux, mais il est comme ça. Donc voilà, les tarifs, ils profitent au maintien de l'aide de l'État aussi là-dedans, des 25 centimes par litre. Et puis, on a aussi la bonbonne de gaz qui reste à 15€, un tarif clé en cours jusqu'au 31 décembre 2022, avec l'aide de la population réunionnaise, hein, parce qu'ils tiennent ses autres impôts pour mettre là-dessus, hein, donc avec l'aide de la population réunionnaise. Donc, on va dire ça. Le journal de Lille, le journal de Lille l'a pas sorti ce dimanche matin. Ce matin, moi, j'ai jeté un petit coup d'œil dessus, m'a pas entendu parler, donc il a dû pas sortir. Alors, il était déjà absent dans les points de vente depuis samedi. Un conflit entre l'entreprise de presse et son imprimeur qui porte sur l'acquisition d'une imprimerie à Saint-Denis, qui est à l'origine de la non-parution de ce journal-là pour la deuxième journée constitutive de dimanche. Ce qui fait aujourd'hui, il passe sur la troisième journée, et on va bien voir que ça l'a fait. Et dans un communiqué publié en milieu de matinée, l'imprimeur Alfred Chanpan, en l'occurrence, il annonce qu'en tant qu'entrepreneur privé, il y arrête toute collaboration avec Jacques Tillier, avec le GIR, le journal de l'île de La Réunion. Le GIR a longtemps, ça est là, ça fait rien, non? Date, c'est un quasiment des premiers journaux que j'ai là depuis machin, bon. Après, le GIR a eu quand même des coups de bois dessus, dans la tête, un peu partout, hein, depuis un bon bout de temps, sur le mandat de Didier Robert, gagné un peu, là, il a regagné encore un peu, là, et puis, pas facile aussi, hein, le numérique l'a pris le dessus, le journal papier, il est assez compliqué maintenant, pour tout le monde, hein, voilà, un peu, et puis, bon. On verra, de toute façon, nous va causer un peu plus tard, s'il est intéressant, pour voir que ça l'a fait. En tous les cas, moi, les plus numériques, donc, m'en a pas trop porté attention, si m'en aurait pas lu sur le journal, m'en a peut-être zappé, voilà. La semaine passée, ce que l'a se passé sur Saint-Pierre, semaine passée, moi, t'es pas là, donc, m'en a pas gagné le temps de parler, mais l'ami en parle un petit peu, l'actualité du lundi, là, un peu frais, hein, toutes les bonnes organismes de presse, là, dormir, vendredi, samedi, parti en congé, les bonnes hommes politiques, ils dorment,
jusqu'à 10h, non, le dimanche peut-être, non, on ne sait jamais. Bon, n'allez pas, non, il plaisante, mais c'est, n'allez pas en activité là, donc il reprend à partir de lundi, hein, donc en règle générale, donc pas beaucoup d'actualité, et puis même les gays non plus, il n'entend plus trop parler, on dirait bonne soldat, là, il est en repos. Alors là, la prostitution et proxénétisme à Saint-Pierre, âgée de 20 ans, elle est soupçonnée d'être à la tête d'un réseau. La jeune fille aurait joué un rôle d'entremetteuse entre les adolescentes, des adolescentes mineures. Certains auraient moins de 15 ans et des clients, alors pris en flagrant délit de proxénétisme en juillet dernier, les reprochaient à cette personne-là également des pressions sur des victimes pour inciter azote à la prostitution. Donc la personne a demandé sa remise en liberté qui vient d'être refusée. À seulement 20 ans, Aïda, d'après ce qu'il dit dans le journal, on va me lire ça dans les infos, elle a été mise en prison le 13 juillet dernier après avoir été pris en flagrant délit de proxénétisme avec azote. Suite à une dénonciation, les policiers de Saint-Pierre l'avait l'œil dessus, en train de veiller à elle quand même. Donc les investigations à savoir sur les observations, les constatations qui a été menée jusqu'à ce jour, elle a été menée et la gagne attrape ce personnel le 11 juillet dernier en train de proposer à un client ses services sexuels avec d'une mineure de 14 ans sur le front de mer du Sud, hein, bah, et donc c'est pas un cas isolé. Vanessa Diano, la jeune fille aussi, est soupçonnée de repérer des jeunes adolescentes ils mettent la pression dessus et après ils incitent azote à vendre notre corps. Comment ils mettent la pression? Peut-être ils mettent la pression sur le fait qu'ils s'adient azote par an, ils s'affaient à honte azote, des trucs comme ça là. Donc voilà un petit peu. D'après les premiers éléments de l'enquête que l'a démarré, la mise en cause de la procédure, elle aussi y utilisé les services aussi, donc c'est aussi pour répondre à ces exigences particulières. Voilà un petit peu comment il se passe un petit peu. Donc comme d'habitude, le PSN il dément, il dit non, il a pas fait ça, il c'est pas machin, bon, on l'attrape. Après ces bandes de PAV qui savent avec des petites filles de 14 ans, 13 ans, 14 ans, azote aussi, font faire azote, tac azote, et puis mettre azote en dedans, là aussi c'est un peu de responsabilité. Et après ces genres de choses là, il devrait plus se passer si la réunion, ça commence à se faire, vous êtes qu'à qu'il bon voilà. Après nous ferme la parenthèse là-dessus, ne sais pas qu'on parle que de ça aujourd'hui. Ah, et puis, pour finir, Diokoma, entre bandes de copines, vous avez fait ça ensemble. Je ne sais pas si toutes bandes de copines, la réunion, on a fait ça ensemble. Donc, quand vous allez en copine, vous avez fait ce même cinéma-là. Bon, en tout cas, la fille-là, il dit à Aïda, là, il dit, bon, entre bandes de copines, vous avez fait ensemble. Bon, je ne m'y connais pas trop ça, peut-être, voilà, on va aller. Et nous les partis aussi du côté de Madagascar, puisque l'actualité c'est pas simplement la Réunion, c'est aussi la zone océan Indien, puisque Télé Créole ils couvrent la zone océan Indien et YouTube et Facebook ils couvrent aussi le monde. Donc nous va parler de Madagascar, une soixantaine de tour opérateurs que la professionnelle qui est venue des quatre coins du monde est arrivée à Madagascar ce vendredi. Ils sortent des 14 pays. Elle va travailler avec le ministère du tourisme et les opérations touristiques malgaches pour faire des affaires et aussi pour faire la promotion de Madagascar, une collaboration dans le plan de relance du tourisme dans le pays après la crise sanitaire qui a mis à mal le secteur, hein, ça vous a bien compris. Des workshops et avec ses opérateurs va démarrer d'ici demain, donc pour bien faire l'affaire. Après réouverture de l'espace aérien malgache, hein, des vols internationaux et aussi des différentes opérations de promotion qui continuent, la prise de décision de rendre gratuite la délivrance du visa et les séjours inférieurs à 15 jours dans le pays à Madagascar. C'est une nouvelle qui apparaît dans les campagnes pour booster le secteur pourvoyeur de devises étrangères. Enfin, ça, c'est des pays, un peu comme l'île Maurice, on a besoin de l'argent, on a besoin des devises pour vivre, hein, donc c'est des pays indépendants. Voilà un petit peu. Maurice, si je ne me trompe pas, jusqu'à un bon bout de temps encore, je ne m'y rappelle plus parce qu'on m'avait dit ça il y a deux semaines. Maurice, que je peux voyager, mais que pas pour combien de temps, mais que je peux voyager, j'ai du Batacaré un week-end de l'autre côté là-bas, c'est la carte d'identité, je peux aller faire un tour, et donc là, Madagascar aussi commence avec la carte d'identité. Il faut dire aussi maintenant avec les nouvelles cartes d'identité, mais je pense que c'est avec les nouvelles cartes d'identité, parce que les cartes d'identité anciennes, c'est un peu compliqué, parce que les cartes d'identité d'aujourd'hui, les nouvelles cartes d'identité, le format des nouveaux permis de conduire, que les très petits, il y en a beaucoup d'informations là-dessus, des trucs biométriques là, donc, tout à l'heure, est risquable d'être quasiment comme un
comme un passeport, hein. Donc sauf que sur le passeport on peut mettre des visas, c'est un papier, on peut mettre des visas pour dire que vous voulez bien rentrer, vous voulez bien sortir, vous voulez voyager dans tel ou tel pays, c'est visuel pour par exemple quand on passe dans les aéroports pour sortir, ça aussi c'est intéressant là-dessus, hein. Donc voilà en gros. Le président LR de la région Haute-France, Xavier Bertrand, l'a lancé officiellement son nouveau mouvement Nous France, samedi à Saint-Quentin, dans l'Est. Un bout de la droite, mais toujours la même. Donc, il prend les vieux, ils remettent en place, les vieux, ils gèrent les jeunes, et puis les jeunes, ils ont fait les conneries des vieux. Donc, voilà un petit peu comment il fait. Donc, Xavier Bertrand, président de la région des Haute-France, l'a lancé un nouveau mouvement Nous France, depuis ce samedi à Saint-Quentin dans la ville de l'Est, vous m'avez dit où il était maire quand même entre 2010 et 2016. Là-dedans, près de 500 personnes l'étaient sur 80 millions de personnes, il fait pas grand-chose. Hein, donc 500 millions de personnes réunies dans le théâtre de Saint-Quentin pour écouter Xavier Bertrand promettre un mouvement moderne, jeune et rassembleur. Quand nous connaît que comme notre président de la République les jeunes, qu'il y a tellement désassemblés que rassemblés, bon, là aussi on a bien voir, hein. Faut laisser la chance aux partis politiques. Et puis, nous fait une parenthèse, quand on parle du président de la République, où ça, il est les bonnes jeunes, des soutiens Macron, là, nous, puis les autres, il fait plus porte-à-porte. Ça vient baiser carré, cause un peu, ou un peu, bon, cause un peu ensemble, bon, peut-être pas ces autres sur la télé, non, c'est jamais. Alors, toujours la même énergie, dire, vous donnez là de l'énergie pour porter des idées, là, c'est ce que l'a lancé l'ancien ministre, éliminé de la présidentielle, en 2022. À l'étape primaire des Républicains. Donc, si en tant que ministre, il n'a pas trop gagné, fait grand chose, bon, peut-être en tant que, je sais pas moi, peut-être futur parti, peut-être il a gagné, fait une affaire, bon, ça m'étonnerait, bon, mais après, faut croire, hein, bon, il faut croire dans ces affaires-là, faut s'y croire, moi, je ne crois pas. Donc, oui, François, je ne crois pas. Ce jeudi 19 septembre, quatrième fuite, alors là, nous va parler du gaz, hein, de Nord Stream 2. Alors apparemment la Russie avec y accuse un peu les États-Unis, l'Europe y accuse la Russie y accuse l'Europe. Tout le monde y accuse tout le monde, et pour cette histoire de gaz, apparemment dans la mer Baltique là-bas, il y a des gros soucis, il y a des explosions qu'il a eu sur la canalisation qui doit envoyer le gaz un peu partout en Europe. Peut-être que c'est, mais il y a des millions de mètres cubes de gaz qui fuient, hein. Donc là, il fait à vous que. Bon, les États-Unis ils accusent là-bas, l'autre accuse là-bas, l'autre là-bas. Donc, en coupant le gaz, ils coupent aussi un peu de vivre à la Russie, mais ils coupent aussi l'énergie aux pays que les raccordés à Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Hein, donc, voilà ce que machin. Et on a différentes hypothèses qui peuvent être faites. Les pas forcément que les États-Unis l'a cassé, les pas forcément que les Européens l'a boycotté, les affaires, la foiré les affaires, les pas forcément que la Russie que l'a fait ça. Bon, vous êtes en train de réfléchir. Bon, réfléchis bien, nous les en guerre, ou bloque un pays dans ses affaires, ou veut pas que l'y évolue. Non, il y en a un problème quelque part, faut pas dire. Le truc là tombe en panne tout seul, c'est une affaire depuis la mis en panne, depuis en place, là j'ai eu 4 explosions à suivre, donc voilà un peu la machin, voilà. Nous va partir aussi nous avait parlé de ça, bon, nous on a le gaz, nous on a aussi la Russie. La Russie avec des dissidents russes, des personnes de la Russie qui quittent les autres pays, et dans des pays acceptent Diaou comme ça, bon ben voilà, c'est donner le bienvenu, les gens qui fuient la Russie, donner le bienvenu pour dans le pays, parce que bon ben voilà. Moi, nous connaissons comment il se passe un petit peu. Je l'ai vu caler comment il se passe. Bah, quand ces bonnes Russes là va arriver en Allemagne, va arriver dans des pays qui la donne azote, l'asile. Bon, ce serait pas un problème de donner l'asile. Mais le problème, c'est que quand ils donnent l'asile, logement, ben en train de bataille pour avoir des logements. Là, l'Ukraine est complètement cassée avec la guerre, détruite comme ça. Il y a beaucoup de pays en France là-bas en train de bataille contre le mal logement, la point de logement du tout. Et ben ces personnes qui arrivent là, il va falloir les loger, il va falloir
donne à des allocations familiales, des allocations, enfin voilà, donne à de l'argent, enfin voilà, trouver un toit, tout ça là, et comment il s'affaire, hein. C'est là qu'il se pose la question. Va dire pendant deux jours pour dire le pays, ah ben c'est un pays, la France est souveraine, la France est un pays où il accueille tout le monde, les bras ouverts, mais s'il y a pas tout le monde les bras ouverts, arrive à la fin, il trappe, il fout dehors d'un chemin, et ça fait le tas devant Calais là-bas pour, parce que bon ben la pointe de logement, de monde les racistes avec Zot, il veut que Zot y retourne dans notre pays, là aussi c'est un autre gros problème, hein. Voilà comment il se passe un petit peu, hein, quand il fait des immigrants, ils arrivent dans des pays où des pays donnent l'asile politique. Mais avant ces pays-là, ils donnent l'asile politique. Quand ils donnent l'asile politique, l'Europe, ils donnent à Zot l'argent aussi, hein. Ils donnent à Zot un bon monnaie pour essayer de trouver la solution. Mais quand la monnaie a fini à aller, bon, quoi ça il fait? Ben, il prend le van de moon, il fait le chien avec, il arrive dans le chemin. Et après, nous retrouvons à nous avec des gens qui travaillent au noir avec la police, en train de coder, en train d'essayer le col, le bantibou, en train de travailler au noir. On retrouve de moon en train de faire la délinquance dans le chemin. Ça, les logiques, hein. Donc, ces bonnes affaires-là. Après, faudrait que Banet réfléchisse un peu, hein. Comment il s'affaire, hein? Ben, en fait, si l'exode dans notre pays, c'était le calvaire, ou sinon, ça, vous avez envie de fuir votre pays, gagner une nationalité ou aller vivre dans un autre pays en pensant que c'est l'Eldorado comme aux États-Unis. Ben, quand ça va arriver en France, tracas à maille à Zot, hein. Si Zot, j'espère que vous êtes bien français, et puis, ou sinon ça se cause pas du tout, hein, parce que, maintenant qu'à m'isole, moi, je ne reconnais pas que ça, c'est un étranger, parce que va être compliqué. Voilà un petit peu, nous va parler, nous aura bien sûr l'occasion de recoser là-dessus, il y a tellement d'affaires pour dire là-dessus, et puis, ben, beaucoup de monde n'y en parle pas parce que le monde idiot comme ça, ben oui, le président l'a dit ça, l'autre l'a dit ça, ben oui, il est comme ça, oui, monsieur le maire, oui, monsieur le président, oui, monsieur ici, oui, monsieur là-bas. Mais pendant ce temps qu'à Brimont, ça, là, personne n'y occupe pas du tout. Ben oui, ben, d'ennui, la première bataille, comme il dit, hein. Il y a un bug, quand on dit à lui d'ennui, quand un bug, il dit, quand on travaille avec un monde ou cause avec un monde, il dit d'ennui, la première bataille, là, il veut dire, ça faut pas travailler avec ce monde-là. Parce que ça, c'est un monde d'ennui, la première bataille, il dit, au fait, t'as fait des merdes, on sort à haut, quand on s'est pris dans la merde, viens pas dire, moi, m'a pas dit rien, on m'a dit oui, mais pas dire plus que ça, moi. Allez, nous ferme là-dessus. Nous, on a aussi le cancer du sein. Ben, c'est vrai, octobre rose, là, qui, dans notre pays, pendant un mois, nous a vu les, un peu faner les bonnes petites étiquettes roses dans toutes les bonnes bosquets, comme on avait dit, bonnes petits buissons dans la ville de Saint-Pierre. Tous les pieds coco, là, est entouré avec la toile rose. Ben, voilà, donc, c'est octobre rose. Le cancer, depuis des années, hein, ben, on est en train de se battre contre le cancer. Et depuis des années, il gagne des milliers d'euros de subventions, et pendant des années, bon, il annonce pas nous trop grand chose que l'évolue. Il dit à nous, l'a évolué, hein. Ben, chaque mois d'octobre, peut-être, il dit à nous, bon, on a de l'évolution, voilà, donc, mais par contre, là, ben, on a trouvé aussi une solution, apparemment, contre le cancer du sein, hein, donc cette manifestation a démarré depuis samedi, hein, donc 1er octobre, voilà, et à La Réunion et un petit peu partout, machin, et ben on a trouvé un nouveau traitement apparemment pour les cellules tueuses de tumeurs, voilà, qu'elle est utilisée en immunothérapie pour booster le système immunitaire des malades qui fonctionnent très bien pour les leucémies. Ben là, ils ont utilisé ça, on dirait, pour traiter les bonnes cancers du sein, donc elle est intéressante. Donc ben là, elle a évolué un petit peu là-dessus, mais si je ne me trompe pas, là, Emmanuel Macron aussi a un an et demi de ça ou deux ans de ça, elle avait parlé de l'africaine que l'avait trouvé la solution, ben elle a boosté. Là, et puis on n'entend plus parler, c'est un monde sort en Afrique là-bas, donc voilà un petit peu là-dessus. Allez, nous les parties aussi, les 23, le temps il passe vite, on essaye de respecter un peu le timing, parce que, vous connaissez, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Alors, nous les parties avec l'Agence Nationale de Sécurité, nous relèverons le cousin Maroni, peut-être demain, bien sur cet article-là, sur le cancer du sein, puisque Nena, ben, c'est la semaine, c'est ce mois-ci, ben, il parle beaucoup, hein, donc Maroni là-dessus. Alors, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé, l'ANSM, qui dit que n'a des tensions qui existent actuellement sur l'approvisionnement de certains traitements contre le diabète type 2. Ben, elle a été avertie de fortes tensions d'approvisionnement sur la classe du GLP-1, pour que ça t'y connaît, qui est dû à une augmentation de la demande mondiale. C'est ce qui explique l'ANSM. Il rappelle à Zot aussi que seul le médecin est habilité à donner à Zot un traitement, hein. Il y a deux médicaments particulièrement concernés pour le diabète, là, pour cette
cotiser en CFSA pour, voilà, pour les gens qui veulent maigrir aussi là. L'Ozempic, hein, c'est ma glutine. Et le Trulicity, du la glutine, qui est en rupture, il arrive, il risque de manquer. Hein. Donc, Banal a dit qu'il y a des traitements du diabète. Voilà, ça c'est pour contrôler le diabète type 2, hein, dont ce traitement-là. Il y en a quand même pas mal de choses. Nous va revenir dessus quand même, parce que là, le temps, il regarde le temps, il s'en va vite là-dessus là. Donc voilà. Et nous aurons bien sûr l'occasion. Il y a quand même pas mal de choses, hein, à parler aujourd'hui. Et comme moi, j'ai été absent pendant un moment. Et l'actualité, ben, il foisonne quand même. Donc voilà. Allez, Cosmo Gramou, n'essaye pas avoir le moment avec le fille en même temps. Donc ça, il veut dire où? En gros, hein, c'est avoir le beurre et l'argent du beurre. En bonne français, il dit ça. Nous la remplace le fil au moment, hein, au moins tu fais quoi, tu comprends un petit peu là-dessus. Allez, nous les partis avec la météo d'aujourd'hui, la Réunion, un beau temps le matin comme l'après-midi. Et puis l'après-midi par place, on aura peut-être de la pluie dans les hauts, hein. Donc Mayotte, beau temps, Maurice, Nena, des nuages, et Nena aussi des risques de pluie. Voilà, le causé de la Réunion, l'a fini. M'y remercie à toutes d'avoir suivi ça. Moi, m'y donne un autre rendez-vous normalement, comme il dit, si bon Dieu n'a pitié, demain matin à partir de 6h. Allez, tiens, bossez à l'arc pas, bonne journée à autres, à bientôt.